J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur iFactionZ.ca. Si vous savez pas c'est quoi iFactionZ, dans le fond, c'est un PvP faction 1.7, 1.8 Farm to Win. Vous devez récolter des ressources pour avoir des points de classement et ensuite devenir la faction la plus puissante du serveur. Le serveur possède des KOTH, des DTC ainsi que plein de trucs inédits comme le XP Looting, l'XP Bottle Stack et plein d'autres trucs que vous allez pouvoir découvrir si vous venez jouer sur le serveur. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour la présentation des plus belles bases du serveur. Donc, pour cette semaine, j'ai choisi 3 suggestions qui m'ont été suggérées dans les commentaires de ma dernière vidéo. Chaque vidéo de base tour, les amis, vous devez laisser votre pseudo ainsi que le nom de votre home si vous voulez passer dans la vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi 3 bases. On va essayer de les noter sur 10. Choisir celle qui est la meilleure et celle qui est la meilleure gagnera des récompenses. Donc, commençons directement par la première base qui est la base de Nadudam, qui est ma eagle préférée, comme vous savez. Donc, elle m'a demandé de base tour sa base et puis, même si elle n'a pas fini, je vais quand même la base tour avant qu'elle se fasse raid. Donc, 100%, ça ici c'est vraiment stylé, c'est un bon début. Ici c'est quoi qui est marqué sur le panneau? Kit Kat célibataire à temps partiel, déposez vos CV. Wow, je savais pas que Kit Kat cherchait l'amour. C'est vraiment des belles peintures, hein, comme on peut témoigner, c'est très 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 beau ces peintures là. Donc ouais, j'adore le milieu ici, je trouve que c'est bien décoré, l'ensemble avec la bedrock ainsi que le bois, tout ça c'est bien fait. Ensuite c'est quoi qu'il y a ici, des moutons, ouais, c'est vraiment juste cette partie là, donc c'est pas très très bien aménagé, hein. C'est un début quoi. Ensuite ils ont quoi ici, des spawners, ils ont l'air d'avoir beaucoup de spawners, ici c'est quoi, quand pas le temps de vendre, en atout quand pas le temps de vendre, ok. Ici c'est quoi, des machines, ah ouais, ça c'est le spawner à golem. On va juste prendre une boussole puis on va examiner tout ça. Donc ici ils ont, what the fuck, 2, 4, 6, 8, 10, 12, environ une douzaine de spawners. Mais ils ont pas de lave, à ce que je peux comprendre. Donc what the fuck. Ok. Ok, what the fuck, oh, oh, on est coincé. Oh, 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 tabarnak. Hostie de tabarnak, de calice. Oh shit. Oh shit. C'est les 3 bases pour la base tour d'aujourd'hui, les amis. Donc ouais, je sais pas trop pourquoi le golem ils font ça, mais bon, ils ont des moutons surtout beaucoup. Ici, ils ont quoi? Des spawners à blaze, 3 blaze et 6 spider. Donc, c'est une super belle base. Ils ont pas mal de moutons aussi, donc ça doit produire quand même pas mal d'argent. Donc ouais, on va prendre une note tout de suite après. J'avais pas vu ici, mais les amis, ils ont l'air d'avoir une genre de farm automatique à melon. Ouais, juste ici. Et j'ai réparé leur truc à golem. Je sais pas pourquoi ça marchait pas, mais ça faisait laguer dans le chunk. Donc j'ai préféré la réparer à la place que ça bug le serveur. Donc ouais, ils ont des affaires à melon, ça a l'air à bien produire quand même. Ici, c'est quoi qui est marqué? Steak de mouton. Je vois pas vraiment de steak de mouton nulle part, là, mais bon. Ici, c'est quoi? Une araignée. Ok, intéressant. Du feu, ok. C'est quoi ça? C'est genre les loot, ouais. Puis là, c'est leur mouton. Ok. Donc, pour la note de cette base-là, juste parce que j'aime bien le truc qui est là-bas, je vais mettre un 3 sur 10, parce que c'est pas terminé, mais peut-être qu'on pourra revenir dans une autre base tour série, parce que je sais que Nadudam est vraiment doué dans la décoration, et je sais qu'il est capable de faire vraiment des belles choses, donc on va sûrement revenir dans le futur. Donc voilà, 3 sur 10 les amis, pour la première base d'aujourd'hui. A tout de suite pour la deuxième base. La deuxième base, mesdames et messieurs, on spawn directement ici avec mon home. J'avais foutu mon home ici. Et cette base-là est vraiment terminée d'après moi, ou est encore en construction sur certains endroits. Mais on va pouvoir avoir plus d'endroits à visiter. Donc on a un Iron Hand Golem ici. So, je présume que ici c'est des spawners à Iron Golem, bien sûr. Comme on peut témoigner. Spawner Golem, j'aime vraiment la déco. J'aime pas les leaves comme ça, les feuilles avec le bois. Mais j'adore la présentation de tout ça ici. L'intérieur, les reliefs, même le petit rajout de Mossy Cobblestone fait toute la différence, franchement. Ici aussi. Mais comme je dis, ici dans le mur, j'aurais préféré qu'on voit un mur de stone comme ça ou un mur de stone brick. Ça va être un peu plus stylé. Ensuite, pour le golem, le faux golem, la tête de golem, ça aurait dû être fait en...
Si tu as été fait en bloc de... Non. Ça aurait pu être fait en bloc de fer. Ça aurait été un peu mieux. Je pense que le bloc de fer, c'est le bloc le plus beau blanc, en fait. Je vais juste vous montrer la différence, dans le fond. Comme là, vous voyez ici, ils ont le wool. Oh, fuck, je prends Air Bypass, attendez. Boom. Là, ici, vous voyez, le blanc, il est un peu plus blanc. Il est genre plus comme en type d'Iron Golem. Mais bon, sinon, c'est super beau quand même. Super bien imaginé, j'aime bien le concept. Et ils ont quand même pas mal de trucs qui se rendent jusque quand même assez loin. On peut voir, ils se stackent quand même assez loin. Regardez, on peut aller voir qu'ils s'en vont par là. On va sûrement trouver où ce qu'ils sortent un moment donné. Mais pour l'instant, on ne peut pas... Maintenant... Ah, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et ici, on a des spawners à araignées. Donc, normal, c'est marqué les premiers poils de culot. Oh, ok. C'est pas très gentil, ça. Ici, on a des araignées. Ici, on a... Attends, on va aller par ici. Il y a tellement de trucs. Ici, on a quoi? Un spawner à cochon. On a ici... Des spawners à zombies, pig zombies. D'accord, d'accord. C'est la base de qui, cette faction-là? What the fuck? Je sais pas c'est de qui. J'ai oublié, mais... sûrement une faction qui est haute. Comme j'ai dit, ça, j'aime pas trop ça. J'aurais préféré que ce soit en stone, ça. Comme ici, ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment stylé, le spawner, en vrai. Hein? Genre, ouais, vraiment, j'aime beaucoup ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a leur coffre, comme on peut le témoigner. Ça, ici, c'est quoi qui est marqué sur le panneau? Coffre à patate. Coffre à patate. Ah, damn patate, ok. Fait que dans le fond, c'est la faction de Damn Patate pis tout. Ok. Ok, ils ont une table d'enchant genre niveau 30 qui est semi-automatique. Ça, c'est cool. Spawner and Spider, comme j'ai dit, cochon ici. Table d'enchant qui s'active. Donc, on peut la mettre niveau 30 comme ça. Boum, on a le temps d'enchanter. Même, je pense qu'on n'a pas le temps. C'est pas assez rapide. Mais c'est pas assez. La cloque est pas assez longue. Ensuite, ici, on a quoi? Ouais, c'est encore en cours de création, comme on peut témoigner. J'adore le fond ici avec les beacons, la packet ice. Ça rend quelque chose de bien. J'aime bien le petit genre de panier. Ils ont mis des fils sur le dessus des... la canne à sucre pour pas que ça soit plus poussé plus haut. Et ils ont des gâteaux aussi. Donc ça, c'est 10x10 de points. Non, bien sûr, je rigole. Ils ont quand même aussi pas mal de stuff. Donc ça donne une faction qui est quand même assez active. On n'a rien par ici. Et on a tué quelque chose d'autre. Ça l'amène où les coffres de tout à l'heure qu'on avait vu? Faudrait voir vite fait. Ici, ça l'amène... What the fuck? Okay, on peut pas... Ah oui, ça l'amène juste là. Dans le fond, ça, c'est juste les coffres jusque là. Ok. D'accord, je comprends. Et là, ils ont l'air d'avoir de quoi de là en dessous. Des coffres sécurisés en bas. Mais je sais pas comment on se rend en bas. La couille de... Ok, ils sont pas très gentils. Ouais, il y a des affaires en bas là, mais je sais pas trop comment on s'y rend. Y a-t-il un bouton ou quelque chose ici? Non. Là en haut, y a-t-il quelque chose? Non. Je sais vraiment pas comment on s'y rend, les amis. Peut-être par l'eau? Non, ça a été cool, par exemple. Ouais, je sais pas comment on s'y rend, mais on va essayer de se rendre là-bas, les amis. Donc ouais, c'est clair que c'est un passage secret. Regarde, on peut le voir. C'est un passage secret qui amène à les coffres qui sont en dessous de nous. Boum. Ok, on est rendu ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Une machine à potes. On a... oui, c'est ça. Regarde, c'est un drop zone. Ça ici, c'est un drop zone. Mais je sais pas où est le bouton pour descendre. Mais j'avais raison. Enfin, c'est un passage secret, quoi. Ici, il y a quoi? Des coffres sécu. Donc là, ici, c'est ici qu'ils doivent avoir leur stuff plus rare. Malgré que là, ils ont l'air un peu pauvres en regardant vite fait comme ça. Je rappelle que les tables comme ça sont pétables. Donc si quelqu'un met un œuf de creep ici et qui fait péter avec un creeper, ça va péter normalement une ou deux shots. Donc faites attention pour pas que ça pète. Même chose ici. Donc voilà, ensuite ils ont entouré ce dos. Donc ça, c'est pas des coffres impiables, hein, sont facilement pétables. Si vous voulez savoir comment les péter, je viens juste de vous le dire. Une machine à potes ici. Une machine à potes pour se faire des potions à la place de les acheter. Toujours pratique. Et ici, c'est quoi? Des coffres blocs qui est alchimiste, plutôt c'est des... Ça doit être les coffres à quelqu'un. Donc, pas pire comme base. Y a-t-il d'autres choses qu'on n'a pas vu? Je pense qu'on a vraiment tout vu. Ouais, je pense qu'on a vraiment tout vu.
Vraiment une super de belle base. Et donc, je vais mettre la note de 8 sur 10. Juste parce que j'aime pas cela. Et j'ai pas trouvé le bouton pour descendre. Mais sinon, c'était une bonne idée. J'ai juste que. Ouais, je sais pas, il y a eu le bouton. Il y a sûrement un bouton quelque part qu'il faut activer ou quoi. Mais je le vois un peu. Donc, voilà. Là, les amis, on se reprend pour la troisième base. Nous sommes dans la troisième base, les amis, qui est une base full sécu. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Comme on peut voir ici, le mur de sable. Donc c'est une base qui est protégée, on va juste retourner à l'intérieur. Ils ont plusieurs étages, donc là on va commencer par cet étage-ci. Pourquoi pas, j'ai juste choisi ici. Et on verra ensuite. Build by Bozix, donc c'est la base de Bozix. J'imagine que c'est lui qui le build. J'aime bien la décoration des bibliothèques avec des trucs comme ça, je trouve ça stylé. Ensuite, bon, il n'y a pas vraiment le truc ici. Il y a une safe room au milieu ici. C'est quand même ça. Ça doit être son home. Pour qu'au cas où il se fasse assaut, il est safe à l'intérieur là. Il peut informe tranquillement. J'aime pas le fait qu'il n'y ait pas de coffre près de son truc. Si jamais il se fait tuer puis sa base se fait assaut, il n'y a pas vraiment de coffre avec du loot à l'intérieur de ce truc là. Donc moi j'aurais fait le truc un peu plus grand jusqu'à ici mettons. Et j'aurais eu genre 2-3 petits coffres dans le sol. Mais sinon c'est une super de belle décoration pour ce premier étage. Comment qu'on monte? Ah, ici. Est-ce que je peux comprendre? Ouais, super, on monte ici. Donc ensuite ici, il y a une bibliothèque, une table enchante qui est très pratique dans une base. J'adore le truc du beacon avec la petite fontaine et le design sur cet étage-là. Comme on peut voir, il n'a pas terminé de mettre la stone brick. Mais je pense que cette base-là va vraiment être superbe. Ensuite, on continue, on monte par où? On peut-tu monter? Ben, il y a des coffres en haut là, donc il y a sûrement une façon qu'on puisse monter. Je vois pas en ce moment. Oh, peut-être ici derrière. Je pense que ça va être ici derrière. Ouais, voilà. On va monter ici. Et là, ici, qu'est-ce qui tombe sur... What the fuck? Un pixel art. Ok. Il tombe sur un pixel art. Et ici, il y a l'air d'avoir des coffres protégés à l'intérieur de ça. Ou je sais pas. Ouais, il y a des coffres là à l'intérieur. Je sais pas comment qu'on les ouvre, en fait. Ah, par ici. Là, ici, il y a des coffres protégés. Mais qui sont pas vraiment protégés. Mais ouais, c'est stylé. J'aime bien le concept. Jeune homme. Ici, ils ont un genre de... Je pense que c'est un champignon dans Mario, ça. Ouais. Et ensuite, on a le top de la base. Donc, c'est quand même assez petit. Mais c'est une base assez sécuritaire. Je veux dire, on peut faire un hybrid canon pour pouvoir rentrer dedans. Mais... Ça reste que c'est quand même une des bases les plus difficiles à raid avec le canon de sable. Parce que pas grand monde qui sait faire comment, le canon de sable. Sinon, ouais, en dessous, comme je vous ai montré, il y a des trucs en dessous. On était là tantôt. Là, on arrive ici. Et là, c'est juste une salle remplie de loot. Dans le fond, je pense qu'il doit mettre ses coffres ici. Et c'est ça, je pense, c'est vraiment difficile à péter. Je pense pas qu'il y ait de façon de les péter. À moins que vous arriviez à couper l'eau. Là, les coffres sont easy pétables, mais sinon, c'est pas faisable. Donc, c'est très beau, Bozix, chez toi, jeune homme. Mais je vais quand même te donner la note de 7 sur 5. Parce que t'as pas terminé. Il y a beaucoup d'espace, comme ici, t'aurais pu faire des petites affaires, genre des, je sais pas, juste des petits trucs comme ça, juste pour décorer un peu, améliorer, aménager la place. Je trouve qu'il y a beaucoup de place vide. Malgré que l'autre base aussi, qu'elle avait avant, énormément de place vide. Je sais pas. Il n'y a pas vraiment de... La salle des coffres, c'est assez basique. J'aurais aimé ça voir un truc quand même assez cool. Mais bon. Sur un 7.5. Donc, les gagnants d'aujourd'hui sont la base de... cette base-ci. La base avec le golem. Donc, on va leur donner... qu'est-ce qu'on va leur donner aujourd'hui, les amis? Qu'est-ce qu'on devrait leur donner? Je sais pas du tout c'est quelle faction, par exemple. Donc, je veux pas faire de la merde ou quoi. Mais je pense qu'on va leur donner genre... 5 points, donc on va donner directement 5 points, comme ça, on va donner 5 points, on va rajouter Give Spawner Icons Witch 1, je crois que c'est comme ça, non c'est Give, on a un, je me demandais, on va mettre 2 Spawners à Witch, on va les mettre plutôt ici, on va donner des Pump Sheets. Donc, 2 pump sheets, genre 4 pump sheets, tiens. On va les mettre dans les coins, comme ceci. On va donner des œufs de creeper. Donc, des œufs de creeper, comme ceci. Et on va donner... faut donner des trucs pour la faction, parce que, tu sais, je veux dire, c'est une faction qui a créé cette base-là, d'après moi. Donc, faut donner des trucs de faction. Qu'est-ce qu'une faction a besoin qui est quand même difficile à obtenir? On va regarder les KKH loot, au pire.
On va donner des arc punch. Ça, c'est toujours pratique, des arc punch. Et on va aussi donner. Non, on va juste donner des arc punch puis de l'émeraude, ok? Donc, on va donner 3 arc punch. Et on va remplir le reste de blocs d'émeraude. Avec. Comme ça. Donc, voilà, ça vous fait 2 spawners à Witch. Et puis, même en haut, on va mettre un Iron Golem. Si vous êtes prêts, on va mettre un Iron Golem. On est gentil aujourd'hui. Villager Golem 1. Et on va leur donner un Iron Golem. Donc, enjoy, les amis. J'espère que vous allez être contents. Boss Tour Gagnant, épisode 2. Donc, voilà. GG à vous, les amis. Même si je sais pas c'est quelle faction. Je crois pas que ça soit Claim. Comme vous avez dû vous en douter, c'est pas Claim. Mais un gros GG à vous, les gars. Ça, c'est super beau ici. Je sais pas pourquoi ils ont mis du quartz. Mais je pense que ça va vraiment être stylé. On va sûrement repasser dans un épisode spécial. Où qu'on va retourner sur des vieilles bases qui sont pas encore pillées. Sur ce, les amis, c'est l'épisode d'aujourd'hui. Vous avez plaisir. Les plus belles bases du serveur, laissez un pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Et puis, partagez la vidéo avec vos amis. Si vous avez aussi vous-même envie de participer à la série, c'est comme je vous l'ai dit, vous avez juste à laisser un pouce bleu dans sur la vidéo. Laissez votre pseudo en commentaire ainsi que votre nom de votre home et peut-être que vous allez avoir la chance de passer dans une prochaine base tour série. Cette série est une fois par semaine, parfois une ou deux semaines, ça dépend des bases que j'ai filmées, les vidéos que j'ai déplanifiées ou quoi que ce soit. Sur ce, je vous laisse, c'est Tycons, ciao!